C'est Noël, et quand on se pique de gastronomie, quand on aime la bonne chère et le partage, évidemment, on ne passe pas à côté des fêtes de Noël. Et on va organiser un repas de réveillon. Pour l'occasion, j'ai fait venir des amis de toute la France qui chacun vont apporter un plat, un souvenir, un savoir-faire. Je les ai réunis ici, à ma table. Une table que nous allons garnir de produits exceptionnels venus des quatre coins de l'Hexagone, à l'image des huîtres de Florie Tarbourièche, que notre ostréicultrice élève non pas dans le froid de l'Atlantique, mais dans la chaleur des eaux méditerranéennes. Là, on est sur le nouveau millésime, donc la récolte 2018-2019. Tu ne les mets pas sur glace, et ça, ça me plaît. Oui, chez nous, c'est interdit la glace, parce que c'est comme un bon vin. Si tu bois trop froid, là, t'as pas les saveurs. Encore plus au sud, sur l'île de Beauté, c'est une viande unique au monde et bien connue des Corses que nous cuisinerons, le veau tigré. Une race endémique dont Jacques est le seul éleveur français. Voilà, c'est magnifique, regarde. Impeccable. Impeccable. C'est parfait, rosé comme il faut. Je vais venir à Porto-Pole pour ouvrir un restaurant avec toi. On va rester ensemble, allez. La Bretagne nous amènera des coquilles Saint-Jacques, un produit de saison en ces fêtes de Noël que Yann Carcellet, notre pêcheur amateur et artiste, nous flambera au vermouth. Notre tour de France de la gastronomie mettra aussi à l'honneur le Gers, avec un fromage de brebis que fabrique Karine, qui sera accompagné d'un pain rustique façonné à l'ancienne, découvert lui en Côte d'Or. Un pâté en croûte d'anthologie trônera lui aussi fièrement sur notre tablé. Oh là là ! Superbe. Superbe, hein ? Ah oui, oui, oui. Waouh ! Bref, des produits de fête pour un repas de Noël exceptionnel autour d'amis précieux qui se terminera par une bûche haute couture créée par le maître des pâtissiers chocolatiers Pierre Hermé. Et on commence dans l'exception, puisqu'Alain Baraton, je vous rappelle qu'il est le jardinier en charge du domaine de Versailles, nous a ouvert en exclusivité le potager de la Reine, qui habituellement n'est pas ouvert au public. Mais pour l'occasion, on va pouvoir aller y cueillir quelques légumes d'hiver. Et on va les cuisiner très simplement, vous allez voir, vous pourrez le refaire chez vous, avec les bons légumes de votre région. Salut Alain. Ah, bonjour. Dis-moi, on se croirait en plein été, là. Il est magnifiquement entretenu, ce potager. C'est vrai, on n'était peut-être pas. En tout cas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bonjour. Bonjour. Yvan, c'est Yvan, ça? C'est ça. C'est lui qui nous produit ses légumes de qualité, comme ses panais. Oh, magnifique. Que je n'aime pas beaucoup, personnellement. Ah bon, c'est vrai. Moi, j'adore ça. On va les faire rôtir, d'ailleurs. J'ai une petite idée. Parce que pour Noël, tu vois, je voudrais faire quelque chose de simple. Parce qu'en fait, chaque année, je me fais piéger, je me lance dans des plats très compliqués, oui. Et finalement, je passe Noël en cuisine. Donc là, je me suis dit, tu sais, on va mettre tous les légumes, puis des beaux légumes comme ça, en plus, on a envie de les laisser bruts, sur une plaque de cuisson, on les met au four, ils vont rôtir les uns avec les autres, ils vont discuter ensemble. Alors, raconte-moi l'histoire de ce potager. C'est un lieu magnifique, c'est un lieu qui a été construit pour Louis XV. Louis XV est un grand collectionneur de végétaux, et je suis sûr que tu ignores que c'est ici que Louis XV avait la plus belle collection de fraises d'Europe. C'est également ici qu'on va cultiver, ensuite sous Louis XVI, les pommes de terre, les premières pommes de terre. C'est ici notamment encore. Promu voilà. Grâce à Parmentier, tout c'est à, ça. Tout à fait. Oui, c'est vrai. La reine veut aussi un potager d'exception, et c'est un jardinier qui s'appelle Antoine Richard qui va avoir l'idée de créer ce potager. C'est lui qui, à la Révolution française, a eu l'idée de planter autour du Grand Canal des arbres fruitiers et de mettre sous les fenêtres du château, dans les parterres, des pommes de terre. Il a dit que Versailles devenait source d'alimentation pour le peuple, mon prédécesseur. J'en suis relativement fier. Ah oui, c'est vrai, c'est un beau lignage. Alors, les carottes, on a ce qu'il faut, les garçons? Dites-moi si vous en voulez plus. Ça va très bien, parce que je voudrais justement une assez large variété. À côté, on a des salsifis escarcenaires. Ah oui, voilà, ça m'intéresse. Ah, il faut y aller à la bêche. Hein. Mais la terre est merveilleuse. Oui, dis-moi, effectivement, on voit qu'elle est extrêmement souple. Bon, tu travailles, mais je vais peut-être t'aider, moi. Je vais essayer de faire l'escarcenaire, quand même. C'est beau, hein. Ça va, je suis au bon endroit, là? Ouais. Encore. Voilà. Hop. Et après, vous tirez. Et il faut faire plusieurs fois. Parce que là, plusieurs sinon, vous allez fois, bah oui, évidemment. Attends. On voit la fille de la campagne. Non, mais... il y a de l'expérience, quand même. Ah, voilà. On tient le bon bout. Voilà. Ah oui. Alors là, elles sont pas très grandes, mais des fois, ça peut être long comme ça. D'accord. Et donc, vous mettez aucun fertilisant Non. C'est des plantes qui se protègent les unes des autres et au contraire, des plantes qui ne s'aiment pas aussi.
Donne-nous quelques exemples. Par exemple, la carotte et le poireau vont très bien ensemble parce que l'un éloigne la mouche de l'autre. Ou la capucine va éviter que les pucerons viennent sur les tomates ou sur la pomme de terre. C'est génial de faire son marché au potager quand même. C'est agréable. Oh, oui. Difficile de trouver plus frais. Ah oui, là. Un marché royal grâce auquel mon panier s'enrichit d'une déclinaison de choux. Choux de Bruxelles, choux noirs de Toscane aux allures de mini palmiers, une variété de choux kale. Je pense qu'on pourrait le faire rôtir parce que ça va se transformer un peu en chips, j'imagine. Ah, ça peut être amusant. Mais aussi du chou pointu, du chou rave et d'autres légumes phares d'hiver comme la courge qui semble s'épanouir ici. Et l'avantage, c'est que ça fait légumes écoliers. C'est ça qui est bien pour Noël, tu vois. C'est sympa. C'est quand même plus rigolo. Qu'est-ce que c'est? Une mini butternut. Oh, ah oui, c'est joli ça. C'est on va presque mignon. Venir en décoration. Ouais. Oui. Très joli. Merci. Hop. Et on se prend quelques topinambours et voilà. Allez. Donc en fait, les topinambours, ça fait des... Ah oui, c'est très grand. Ça fait des, très grandes des plantes. Des plants aussi grands que c'est ça. C'est de la même famille que le tournesol. Ah, dis donc, ils sont magnifiques. Ben là, on est parfait. Ça fait un beau panier. Ah oui, il y a de quoi faire. Yvan, vous nous retrouvez à table. Quel est le programme? Parce que vous êtes le bienvenu, si vous le souhaitez. Non, je suis désolé, il faut que je reste parce que j'ai beaucoup de travail ici pour le potager et pour le hameau de la Reine. Ouais, ça pousse pas tout seul quand même, hein, c'est ça. Ça pousse sans pesticides, mais pas tout seul. Bon, mais c'est gentil. Bon. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je vous embrasse. Merci beaucoup. On va en faire et bon au plaisir usage. De vous revoir ici. Ouais. Eh ben, je vous laisse j'en travailler. Merci. À bientôt. On va les planquer. Salut, Yvan, merci. Hop là! Ah, bah tiens, bah, j'en profite voilà. Aussi pour mais oui! Et voilà! Parfait. Alain, merci, je te fais un bisou quand même, mais on se revoit tout à l'heure. Bah, à hein? Tout à l'heure. On se retrouve pour notre repas de Noël. Avec beaucoup de plaisir. Hop là! Merci, tu m'ouvres la porte de mon carrosse. Et sois prudente. Le rendez-vous est pris. Il est temps d'aller faire chauffer les fourneaux pour donner à ses légumes des atours de fête. Je quitte le hameau de la Reine, véritable havre de paix, que Marie-Antoinette s'était fait construire comme un petit village autonome pour s'éloigner de la vie protocolaire du château. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an. À peine le temps d'enfiler ma tenue de bal et de commencer à passer sous l'eau claire mes légumes fraîchement cueillis que les premiers copains arrivent. C'est avec la Corse que nous lançons les hostilités puisque Jacques, éleveur d'une race bovine endémique, et son frère Jean-Charles Vigneron me rejoignent pour me prêter main forte dans la réalisation de notre repas de fête. Entrez messieurs. Attends, on va tout salir là. Venez vous abriter. Comment vas-tu? Mais ça va bien. Ah, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour Jean-Charles, comment ça va? Très bien, très vous content. Vous arrivez les bras chargés. Bon, voilà. Oh là là, il y a du blanc et ça c'est quoi? Ça c'est une vendange tardive d'un cépage corse traditionnel, l'aleatico, qu'on goûtera avec les desserts, je crois, d'un grand chef. Donc voilà. Il paraît que Pierre Hermé sera des nôtres, il sera ravi de pouvoir. Voilà. En plus, tu sais qu'il est fin connaisseur en matière de vin. Hein. Mais non, mais je le connais bien et il connaît bien mes vins déjà. Il connaît bien la Corse. Tout à fait. Puisqu'il est marié à une Corse. Voilà. Alors, très bien, magnifique. Allez, on Est-ce va. Est-ce que tu as bien reçu la viande? J'ai reçu la viande, elle est au frais, je vous prends vos manteaux. Oui. Elle est au frais et je vais la sortir d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop fraîche non plus pour la cuisiner. Alors, j'étais dans les légumes, moi, mais on va passer au veau. Hein. Okay, les côtes de veau super, de Jacques. Oui. C'est pas mal, hein, très quand bien, même. Très bien. Alors, je pensais faire une côte de veau en croûte de cèpe, avec des cèpes séchées, parce que c'est plus trop la saison, malheureusement. Mais habituellement, je travaille des côtes assez épaisses en veau de lait. Là, c'est un veau qui est un petit peu plus... Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est-à-dire que c'est un autre produit. C'est, pas c'est du veau. Mais je c'est suis du ravie veau de qui est tué entre 6 et 7 mois, qui est élevé sous la mer. Il est derrière sa maman. Mmh. Il ne rentre jamais à l'étable. Il n'y a pas d'étable chez moi. Et donc, il se nourrit autant de végétal que de lait. Que de lait, d'accord. Donc, la qualité de la viande n'est pas du tout la même. Un veau endémique à l'île de Beauté, produit unique et rare que nous allons mettre à l'honneur dans notre menu. C'est en Corse du Sud, près d'Ajaccio, que mon ami Jacques Abatucci, descendant de l'une des plus anciennes familles corses, élève cette race si particulière.
Alors ça, c'est une petite vache tigre. Alors la vache tigre, c'est un nom que moi, j'ai inventé. C'est-à-dire que le vrai nom, c'est la vache en Corse, la vache Zainat. Une race insulaire arrivée sur l'île durant les invasions mauresques dès le 8e siècle et soumise à de nombreux croisements au 20e siècle. Jacques a décidé de préserver et de développer la race grâce à un long travail de sélection pour être aujourd'hui à la tête d'un cheptel de 300 bêtes. C'est une souche que j'ai voulu développer parce qu'elle était originale au niveau de la robe et qu'en plus de ça, c'est une souche très rustique, résistante aux maladies, parfaitement adaptée à notre environnement, au maquis. Oh les filles! Allez, il est temps pour Jacques et moi de mitonner ce veau et pour l'occasion, nous allons préparer une recette que j'aime beaucoup, une côte de veau en croûte de cèpe avec quelques accents du maquis. Et voilà, ça c'est la croûte de cèpe. Ça c'est la croûte de cèpe. Alors en fait, j'ai mis du pain, de la mie de pain. J'ai mis du beurre, bien sûr, du beurre demi-sel. Quelques noix, bon déjà, parce que j'avais des noix sous la main et des cèpes séchées que j'ai très légèrement réhydratées. Et j'ai rajouté, comme on est en Corse, j'ai mis thym et romarin. Tu vois ce que je fais en fait, l'idée, c'est que je fais comme un emporte-pièce. Je suis en D'accord. fait la forme. Oui. Et après, j'aurai plus qu'à décoller ma pâte. D'accord. Regarde, c'est un jeu d'enfant. Ah oui, effectivement. La cuisine est un jeu d'enfant, oui, tout comme à disait fait. Michel Oliver en son temps. Le veau se cuit comme du bœuf. Ah d'accord. Tu préfères le principe. Moi, tous les chefs donc, avec qui je travaille... rosé, quoi. Rosé. C'est ça, saignant même. Quand ils me demandent un conseil, tous les gens qui ne connaissent pas, je dis voilà, vous travaillez... Vous considérez que vous avez du bœuf. Ensuite, chaque morceau va être préalablement saisi dans une poêle chaude avant d'être recouvert de sa croûte pour passer au four une bonne dizaine de minutes. Quant aux légumes enrobés de miel et d'huile d'olive, ils rôtiront au four 50 minutes. Je vais peut-être ouvrir les vins, Allez, ouvre les vins, très bonne idée, merci. Attention, tes doigts. Tiens, je vais te faire goûter ça. Donc, c'est un aléatico vendange tardige. C'est endémique. C'est un cépage traditionnel corse. Ça fait 6 ans que je travaille dessus. Oui. Et tu vas voir, donc c'est quelque chose... Donc tu récoltes à quelle période alors du coup? Mais ça c'est vendange tardive en Corse, donc vendange tardive c'est mois de novembre, hein. C'est pas... Octobre, novembre, ça dépend des années. Ah, il y a des invités, on n'est pas tout seul. Hé, bonjour les amis. Oh papa, ça y est. Un très fracassant. Ah oui, non mais voilà, c'est ça, moi j'aime bien. Va? Mais oui, ça va bien, surtout depuis que je vous vois. Bonjour Julie. Avec... De bonnes choses dans les mains. On avait le vin et maintenant on a le pâté et les huîtres. J'ai triché, mais pas de beaucoup. Mais toi, t'as pas mis tes talons? Non, moi je suis toujours aussi petit. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Sébastien. On a été embauchés. Florie. Salut. Jacques et Jean-Charles. Florie. Enchanté. Voilà. Alors, on a les légumes fraîchement cueillis et là, on a les huîtres fraîchement pêchées, quoi. Exactement. On va s'ouvrir quelques huîtres quand même en attendant le reste de la bande. Elles sont toutes creuses chez toi. Oui, c'est ça. Oui. C'est les huîtres de Thaux, comme on les appelle. De Thaux, exactement. Et donc là, on est sur le nouveau millésime, donc la récolte 2018-2019. Donc elles sortent tout droit de la lagune. Oh là là, quel privilège. Lorsque Florie parle de millésime, ce n'est pas pour rien. Ces huîtres sont élevées comme un grand vin et chaque saison leur confère un goût bien spécifique. Partons sur les temps de Thaux où les tarbourièges travaillent en famille. Florent, ostréiculteur et père de Florie, a inventé un processus qui recrée le phénomène des marées pour renforcer la typicité de ses huîtres et faire de cette contrainte un atout. Là où on va retrouver les vraies différences, c'est dans la texture de l'huître. L'huître va être plus charnue, plus croquante. On a une nacre aussi qui va prendre le temps de se former. Donc il y a des vraies différences à l'œil, au regard, des vraies différences au goût, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on met quand même 3 à 4 ans pour arriver au résultat, tandis qu'une huître de Bouzigues ou de Méditerranée, c'est une huître qui pousse en 12 à 18 mois. Une idée qui a germé dans la tête de Florent dès 2006. Et donc je me suis fait ce pari pendant 2 ans de faire, à l'échelle bien sûr d'une corde et à la main, sortir une huître de l'eau pour voir comment elle évoluait tous les jours, de les sortir de l'eau comme si l'eau partait, comme si elle subissait la marée. Et c'est vrai que dès les premiers mois, au bout de 6-8 mois, je commence à voir des caractéristiques de couleur, de forme, bref, de texture apparaître. On est dans un métier tellement traditionnel, tellement vieux, que plusieurs confrères m'ont pas vraiment pris pour un fou, mais ont été quand même assez surpris. On a équipé chaque perche d'un moteur qui est lui-même alimenté
de manière autonome par l'énergie solaire ou éolienne. On a deux types d'énergie. Il existe deux phases essentielles dans l'élevage des huîtres avec ce système nouvelle génération. Dans ces petits paniers bleus, dans ces petits triangles bleus que vous voyez là, on va y mettre des huîtres qui font entre 3 et 5 mm. Donc on va les faire pré-grossir pendant environ 6 mois. Ces bébés huîtres sont ensuite collés sur des bandes de filets et c'est à l'atelier que le méticuleux travail de préparation réservé aux femmes est réalisé. À l'aide d'un savant mélange de résine et de coquilles pilées, les mollusques font corps avec les supports d'élevage avant d'être envoyés dans un second parc. Donc là, ça fait déjà 24 mois qu'elles sont en élevage et donc il leur reste plus qu'une dizaine de mois grand max avant d'être mangées par les gourmets, on va dire. Vous voyez, c'est quand même très très charnu. Trop bon. C'est génial. Ce sont ces huîtres charnues et millésimées qui seront servies au début de notre repas. T'as quand même un bon tour de couteau, hein? Fais attention quand même, parce que j'ai pas envie de me blesser. Non, mais bon, c'est vrai qu'on a l'habitude. Tu ne les mets pas sur glace, et ça me plaît. Oui. Chez nous, c'est interdit la glace, parce que c'est comme, j'ai envie de dire, un bon vin. Si tu bois trop froid, là, t'as pas les saveurs. Et on les conserve donc quand même au frais, mais pas trop froid non plus. Non. C'est ça? L'idéal, c'est en bas du frigo, avec un linge humide dessus. L'idée, c'est vraiment de garder l'humidité dans le produit. C'est pour ça qu'on met les algues aussi dans la caisse d'huîtres, pour qu'elles gardent l'humidité. Dégager de l'humidité, c'est vrai, c'est une bonne idée. Le jeune homme que vous voyez ici est directeur commercial. Mais il a un CAP de charcutier, mais il a aussi un CAP de boulanger, il a un CAP de cuisinier et de pâtissier. D'accord. En fait, tu fous rien dans ton boulot, quoi. Rien. Donc respect, quand même. Respect. Non, mais c'est le partage. Mais c'est magnifique. J'espère que tu n'as pas été frais, Sébastien, parce que... Je l'ai commencé il y a à peu près 4 jours. Un travail de longue haleine pour réaliser ce pâté en croûte pour lequel Sébastien a fait mariner et mis au sel ses différentes viandes 4 jours plus tôt. Nous l'avons suivi chez lui du côté de Chatou, à l'ouest de la capitale. Notre cuisinier travaille la pâte qu'il a réalisée avec de la farine de blé et de châtaigne pour une note un peu sucrée. Première étape importante et délicate, Sébastien chemise son moule avec cette pâte. Là, je suis en train de border le bébé. Et comme à l'école, j'étais super bon aux billes, eh bien, je continue de jouer aux billes. Et je vais rentrer pas mal de poids sur le papier sulfu pour le tenir bien en place. Comme la pâte a vraiment de l'importance, je la fais cuire en amont, d'abord, sans la farce, on appelle ça une cuisson à blanc, pour lui donner justement du croustillant. Donc on va le faire cuire pendant à peu près 20 minutes, à 180. Voilà le secret de Bibi. Pendant que notre pâte pré-cuit, Sébastien prépare une gelée maison qu'il ajoutera à la toute fin après cuisson. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une gelée de cochon avec le pied de cochon, avec un jarret de porc. Je récupère en fait la couenne de la poitrine dont je me suis servi pour faire la farce. Tout cela mijote dans un bouillon aromatique composé d'oignons, de céleri branche et de carottes, puis réduit pendant 3 bonnes heures. Notre cuisinier entreprend ensuite la réalisation assez technique d'une demi-glace, un jus qu'il va obtenir grâce à une réduction lente. Et pour ne rien jeter, il se sert de la carcasse du pigeon dont les filets garniront le pâté. On va le faire revenir quelques minutes dans la graisse de canard, on le colore. Et ce qu'on voit là, ça va devenir en fait l'équivalent d'un liquide qui va devenir comme une sorte de sirop qu'on va intégrer à la farce. Et on aura vraiment une farce qui va sentir la chasse, la campagne, l'automne, voire même l'hiver. Et ça aura vraiment du goût. Il intègre à son jus quelques légumes qu'il déglace au porto. Cette sauce va également réduire 3 heures. Pendant cette longue préparation, la pâte a terminé sa pré-cuisson. Sébastien la badigeonne avec un œuf battu, une astuce bien à lui. C'est une sorte d'écran avec un œuf que l'on met sur la pâte qui est chaude, donc du coup ça fige tout de suite l'œuf. Et ça lui fait une sorte de protection assez efficace contre l'humidité que l'on va intégrer dans le pâté. Un pâté en croûte, c'est comme une terrine, en fait on y met absolument ce que l'on veut.
Là, on va se faire un joli repas de Noël avec Julie. Noël, c'est décembre, c'est la fête. Donc, je trouve que la fête, c'est des produits assez nobles. Le foie gras, on est en période de chasse. La chasse, ça peut être du lièvre. En l'occurrence, j'ai plutôt choisi du pigeon, du faisan. Et ce sont des pigeons et des faisans qui ont été chassés par des amis. Donc, je sais quelle est la provenance. Et mon petit secret, alors c'est pas ce qu'il y a de plus économique, c'est d'intégrer des petits dés de lard de Colonnata. C'est un lard qui vient d'Italie, de Toscane. Quand c'est coupé fin, c'est exceptionnel. Intégrés à la farce, ces dés vont fondre dans le pâté une fois mis au four. Il y insère aussi son jus qui a fini de réduire. On va monter un peu comme un gâteau. Comme un entremets, les différentes couches. Là, je vais attaquer avec le pigeon. Après un deuxième étage de farce, Sébastien glisse une couche de belles pistaches qui viendront à la découpe donner de l'éclat au pâté. On va pouvoir intégrer le foie gras. Donc évidemment, c'est noble, on n'est pas obligé de mettre du foie gras dans un pâté en croûte. Mais nom de Dieu, c'est Noël. Il dispose ensuite des morilles qu'il a fait revenir dans une poêle. Filet de canard et filet de faisan. Donc les deux vont cohabiter dans la même lignée. Voilà. Le faisan, on peut largement le remplacer par une volaille de Bresse, par exemple. Sébastien ajoute un peu de sel et quelques tranches de lard de Colonnata qui rendront la préparation plus onctueuse. S'ensuit une dernière couche de farce. Puis il recouvre le tout d'une pâte qu'il décore à l'emporte-pièce. Dernière touche de décoration, quelques motifs réalisés à partir d'une pâte teintée à l'encre de sèche. Toutes les bonnes choses ont une fin. Le pâté en croûte de Noël est enfourné à 180 degrés. 25 minutes plus tard, il est prêt. Voilà, le point. Sébastien y ajoute la gelée. On va attendre que la gelée fige tranquillement au frais et on pourra déguster el pâté en croûte. Hop ! Un pâté qui se mangera froid et justement, il est temps pour Sébastien de nous en dévoiler le résultat. Bon, est-ce que tu veux que je... Ah oh bah oui. Comme... Voilà, on trépigne. Vas-y. On va dégoupiller la grenade. Vous êtes prêts, les deux frères ? Pas de problème, pas de problème, vas-y. Oh là là ! Superbe. Superbe. Hein. Ah oui, oui, oui. Waouh. On voit bien tous les différents produits, les ingrédients, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh ben, dis-moi, on se prive de rien. La vie est trop courte. C'est magnifique, hein, le pâté. Là. C'est incroyable. C'est très bon. Voilà, Sébastien. Les copains investissent joyeusement la maison et préparent l'apéritif, alors que de nouveaux convives arrivent. Très entrée, bonjour Sylvie. Sylvie Giono, la fille du célèbre écrivain Jean Giono, amie rencontrée lors de mes précédents voyages en Provence, nous rejoint, accompagnée de Yann Kersalé, artiste créateur de lumière et breton au grand cœur, qui va nous préparer une recette marine. Et nous, on a des choses à faire en cuisine. Oui, bah oui, parce alors, que... à tout de suite. Je vous laisse Sylvie. Attention, hein, prenez-en grand soin. Je m'en occupe. Ah, c'est un trésor vivant. Hein. Je vais tomber à veste. Allez, tombe. Voilà. Toi, tu m'avais demandé une poêle. Une poêle, ça sèche. Ça commence par là. Voilà. Les Saint-Jacques, elles sont là. Pas de matière voilà. grasse. Non. Alors, tu vas me dire, cette recette, c'est toi qui l'as mise au point. C'est un classique, finalement. Hein. Non, je ne l'ai pas mise au point. On me l'a transmis... Une recette que Yann nous transmet à son tour, avec ses coquilles d'abord saisies à sec, puis flambées au vermouth, un apéritif élaboré à partir de vin blanc fortifié avec une eau de vie, puis aromatisé par une infusion de plantes. On va le préchauffer un peu. On préchauffe le noyer. Oui. Très bien. Plutôt expérimenté, Yann ne mettra pas longtemps à nettoyer et décoquiller ses noix de Saint-Jacques. Ah, un petit verre de vin blanc. Ah, magnifique, tiens. Merci. Magnifique. Donc ça, c'est le vin de Jean-Charles. Eh oui, voilà. Ta présence ici, merci. Alors là, tu gardes le corail pour ta recette. Oui. D'accord. Moi, j'aime bien. Tu ne jettes rien. Alors, petit détail, quand vous préparez
les coquilles, ce qu'il faut, c'est vraiment enlever. Ici, il y a toujours un petit bout de noir hein, ouais. qui est un peu dur. Ouais. Donc, moi, je l'enlève. Qui sent la coquille, c'est ça hein? Voilà. Ouais. OK. Mais tu gardes le... Ah, tu mets tout direct comme ça, sans direct, matière grasse? Non, surtout sans matière grasse. Ah, ouais. Et il faut qu'on entende ce bruit-là. Pssht. Ah oui, il faut vraiment que ce soit brûlant, quoi. Voilà. Faut les saisir, quoi. Oui, en fait, il faut qu'elles blanchissent. Là, elles sont translucides. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut juste les saisir pour qu'elles blanchissent. Donc, il faut toujours les tourner pour qu'elles accrochent pas, puisque la poêle est totalement sèche. Pendant ce temps-là, notre noyer... Il chauffe. Alors, on voit bien, là, ça commence à blanchir. Hein. Ah ouais. Pas mal. Joli. Voilà. On va le réserver. C'est au pays de la sardine, à la pointe du Finistère, que Yann Kersalé a reçu en héritage cette recette de ses amis marins. Autrefois premier port de pêche sardinier et port d'attache des Terre-Neuvas, qui pêchaient la morue au large de Terre-Neuve, Douarnenez ne manque pas de recettes de coquillages. C'est dans son atelier à Flanc de Falaise que l'on retrouve Yann dans la préparation de l'accompagnement de son plat, une julienne de légumes aux poireaux et aux endives qui se marie parfaitement avec la Saint-Jacques. C'est une recette de pêcheur parce qu'on n'a pas le temps, il faut faire vite. Et puis tant qu'à avoir le produit à bord... On fait ça sur la gamelle. Bon, comme c'est des pêches journalières, donc on a le temps de passer à terre, d'aller voir les paysans et de prendre des poireaux et des endives. Voilà, alors bon, je compte un poireau par personne, une endive par personne. Hein, voilà, pour qu'on soit bien. Bon, le poireau, très simple. J'enlève évidemment le trognon et j'enlève toutes les feuilles vertes. Et je vais faire une coupe longitudinale. Une sorte de spaghetti, quoi, en fait. Et l'endive, on va garder que le tendre et on va taper ça en rondelles. Mon dernier poireau, avec une grande pensée émue pour ma grand-mère. Car même si ce n'est pas des oignons, le poireau, quand il est frais et qu'il est bio comme ça et qu'il sort de la terre, il fait pleurer. Pas autant que quand je fais les oignons. Mais là, franchement, voilà. C'est beaucoup de chagrin. Très bon pour la santé. Voilà. Une fois ces légumes découpés, Yann dépose la julienne dans une casserole sans aucune matière grasse. C'est impressionnant parce que, évidemment, c'est très volumineux. En fait, ça va se réduire considérablement. Dix minutes plus tard, la julienne est prête. Yann n'a plus qu'à y ajouter ses coquilles blanchies et flambées au vermouth, sans oublier une belle botte de persil hachée grossièrement. J'aime bien les recettes simples comme ça. Et juste couvrir. D'accord. On peut baisser un peu et il faut vraiment laisser juste de quoi réchauffer les coquilles. En fait, tu voulais vraiment avoir la saveur des coquilles au plus naturel, c'est ça ? Exactement. Absolument rien de parasite. Non. J'ai mis du sel et du poivre dans la julienne de poireaux et d'endives. Et moi, je préfère ne pas poivrer les coquilles, que tout le monde le fasse à table ensuite. Eh ben, que ce soit dit entre nous. Donc, on laisse combien de temps, là? Oh, très peu. Deux minutes, je veux quoi. Dire, juste le temps que les coquilles soient chaudes et c'est bon à servir. Un plat qui va ravir l'assemblée qui s'étoffe au fur et à mesure, puisque nous accueillons Karine, bergère à l'accent chantant, et Jérôme, notre boulanger venu du pays Dijonais. Alors, il y en a une qui vient de la montagne, l'autre qui vient de la plaine, quoi, c'est exactement, ça, en fait. Hein, le fromage, le pain. Et voilà. Entrée. Ouh, quel temps, hein, ben. Bah oui, c'est ça, hein. Oui, tout le monde n'a pas le beau temps de vos contrées. Eh non. Donne-moi. Regarde. Je mets sous l'arbre. Oh, voilà, c'est mignon. C'est Pierre-Jean. Ce sont mes enfants qui ont tenu à te faire. Pour Julie, de la part d'Amandine, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils sont chouchous. Un petit mot et un petit dessin. Ils t'ont dessiné dans ta voiture rouge. Ils m'ont dessiné. Ah, m'en dis pas plus, ça va être la surprise. Ça, c'est pas une surprise, c'est le fromage. Ça, c'est le fromage. Et il est bienvenu. Voilà. Tiens, je te laisse l'installer sur le plateau. Pour notre festin, Karine nous a apporté de la tomme, un fromage qu'elle fabrique dans les Pyrénées-Atlantiques avec son mari Mathieu. Ils continuent à perpétuer ensemble une tradition bien montagnarde, celle de la transhumance. Et on va rejoindre le col Lobisque, la cabane de Gadotte, où on va passer tout l'été. Allez, c'est parti!
Berger depuis toujours, Mathieu élève ses brebis dans la vallée. Mais quand arrive l'été, il part en estive pendant 4 mois avec ses bêtes et sa famille. Direction les pâturages d'altitude sur les flancs du col d'Aubisque, sur la commune de Béost. Sur place, il va fabriquer son fameux fromage, pure brebis d'estive. Voilà, donc il faut direction tout droit vers le soleil qui se lève. Ensemble, nous allons vivre une expérience unique, la montée en transhumance des 300 brebis laitières de race basco-béarnaise à plus de 1700 mètres d'altitude. Alors la transhumance, c'est une pratique ancestrale dans les vallées pyrénéennes, même dans les Alpes, où on quitte l'exploitation pour libérer les terres, pour faire les foins. Alors c'est vrai qu'on a cette fierté de perpétuer cette tradition. Allez, encore une petite heure de marche et après on va continuer à la traite. Les brebis arrivent enfin sur leur nouveau pâturage. Quant à Mathieu et sa famille, c'est dans cette cabane qu'ils vont séjourner durant 4 mois. Alors voilà Julie, où notre cabane où nous allons passer tout l'été en famille, avec une chambre pour Karine et les enfants qui vont arriver demain. À 6h du matin, après une courte nuit de sommeil, il faut traire les 600 bêtes. Et oui, 600, les 300 de Mathieu et les 300 qu'il prend en gardiennage. Mathieu et sa femme Karine effectuent la traite 2 fois par jour, un travail de titan, 1200 traites dans la journée. Cette traite, l'hiver, se fait à la machine dans les bâtiments. Et ici, en estive, elle se fait à la main. Et avec le lait qu'on va récolter, on va fabriquer le fromage. Le lait de pâturage va apporter un goût plus frais et plus fruité au fromage d'estive. Et pour le fabriquer, le couple reproduit une recette ancestrale que Mathieu tient de ses grands-parents. Donc là, sur le fromage, tu vois qu'on a fait. Donc il y a toujours le B, c'est notre nom, Bailoc. La date, donc là, voilà. Et en plus, on rajoute de l'autre face, ça, c'est la marque d'estive. Des fromages qui seront mis à l'honneur dans notre repas de fête. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go. Allez, je vous sers les huîtres. Alors, tenez, servez-vous. On va faire passer les fourchettes. Merci. Show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Et moi non plus, j'en ai pas eu. Pardon. Ah, c'est bien. Oh la vache, qu'est-ce qu'elles ont goûteuses. Tu me donneras ton adresse. Hein. Alors attention parce que tu as un marin, hein, tu as un vieux loup de mer là. Qu'est-ce que tu en penses de ces huîtres? Parce que tu t'y connais toi quand même. Ah oui. Alors là, vraiment une finesse extraordinaire. Avec un petit goût salé quand même qui est là. On est sur le caractère méditerranéen. Mais oui, je le sens bien. Bonjour messieurs, bonjour. Ce sont les bras bien chargés que mes derniers invités arrivent. Alain Baraton, notre jardinier versaillais, suivi de l'illustre pâtissier Pierre Hermé. Je me doute un peu de quoi il s'agit, mais bon. Allez, on va le mettre sous le sapin. Oh, avec la soupière. Sans oublier Philippe David, jardinier lui aussi dans les jardins du château, qui nous a réservé une surprise, un velouté aux notes hivernales. Oh, mais il y a des petits cadeaux. Entrez, entrez. Installez-vous, installez-vous. On va peut-être boire quelque chose quand même. Jean-Charles n'a pas lâché. Moi, il ne faut pas m'inviter. Hein. Ah moi, bah, tiens. Moi, j'arrive jamais les mains vides. Ah oui, tu as une fonction, hein. Tu la tiens haut la main. Donc, c'est du champagne corse, mais bon, légalement, on va dire, méthode traditionnelle. Sylvie, en attendant de goûter ce vin, qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre de Noël provençal? Il est fait avec des épinards, de l'ail, de l'huile d'olive et des anchois. C'est magnifique. Merci à tous d'être là. Merci à toi. Et joyeux Noël, alors. Santé. Joyeux Noël. Santé. Joyeux Noël. Que de belles et bonnes choses. Alors, Noël,
dans toutes vos régions, dans toutes vos familles. Il y a un souvenir qui revient comme ça? J'ai encore les 100 ans qui appartenaient à mon père. Oui, moi aussi, j'ai les 100 ans de mon père provençal, voilà. C'est vrai. Votre papa était croyant, il était pratiquant? Pas du tout, non. Pas du tout. On faisait ça parce que c'était amusant. C'était la tradition, exactement. Et ça lui permettait de nous raconter des tas d'histoires qui n'avaient rien de catholique. Mais qui étaient de belles histoires, parce que c'était quand même sa spécialité. Mais de toute façon, il nous en régalait toute l'année. Hein. Ouais. C'était pas nouveau, c'était pas uniquement au moment de Noël. Et toi, Pierre, alors? Parce que moi, toi, tu viens de l'Est de la France. Moi, je viens de l'Est de la France, mais d'une famille de boulangers-pâtissiers. Donc, Noël, pour nous, c'était synonyme de beaucoup de travail, de ne pas voir mes parents. Ah, ouais. Juste le jour de Noël, où en Alsace, bah, tout est fermé. Et là, je profitais de mes parents et on célébrait Noël en famille. Et là, bon, c'était bien sûr le plaisir de la table avec ma grand-mère qui cuisinait, parce que ma mère, elle n'avait pas le temps, et ma reine, enfin, toute la famille qui se réunissait. Et toi, Yann, alors, en Bretagne? Chez nous, comme à Douarnenez, c'était une capitale de la langouste. Il y avait énormément de langoustes, donc on avait le droit à la langouste aussi à Noël. En fait, c'était une punition. Je me souviens dans le quartier, il y avait tous mes jeunes copains. C'était un moment, alors qu'est-ce qu'on a à manger? De la langouste. Oh, encore de la langouste. Mais parce que c'était le premier port... langoustier de France avec Camaret, donc on ramenait de la langouste pour la totalité de la France. Et... Si je peux être un peu chauvin à propos du sapin Noël, parce que la tradition vient de l'Est de la France, première à avoir eu l'idée de mettre un sapin en région parisienne, c'est Marie Leszczynska. La femme de Louis XV. C'est Versailles. C'est, donc c'est grâce à Versailles encore qu'il y a en région des sapins tous les ans à Noël. Enfin, mais que ferions-nous sans Versailles? Eh bien, je me pose la question. Et nous, en Corse, nos sapins, c'est les arbousiers. Parce qu'à Noël, ils sont pleins d'arbouses rouges. Ah, c'est délicieux. Sauf qu'on en a. Alors, effectivement, partout. Peut-être pas si délicieux que ça. La preuve, c'est le nom latin, arbutus, unedo, une seule fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend le fruit une fois et on évite d'y revenir. Pourquoi? Il aurait quelques propriétés laxatives, paraît-il. Bon, on passe à table. Allez. Hop là. Joli, hein. Ah non, mais attendez, j'ai des hôtes de marque. En cuisine, Philippe dresse son plat dans de jolis bols en grès rapportés d'un atelier de poterie découvert lors de mon voyage à Villecroze, dans l'arrière-pays varois. Un velouté composé de potiron fumé, de butternut et de sauge torréfiée, des victuailles récoltées dans son jardin et auxquelles il ajoute quelques dés d'andouille de guéméné grillées, une généreuse cuillère de crème ainsi qu'une fleur comestible, une pensée. C'est pour ça qu'on a développé le bikini. Excuse-moi, s'il te plaît. Oh là là. Alors. Et tout ça de ton jardin? Du jardin, ouais, de mon jardin. Parce que monsieur est un des rares à avoir la chance d'avoir un jardin tout court et jardin potager, au cœur du domaine de Versailles. Monsieur qui, on en profite pour le signaler, est un jardinier d'exception, mais également un tapissier d'exception. C'est vrai. Cet homme a travaillé sur les meubles les plus précieux conservés à Versailles. Et un homme qui s'est converti tardivement au jardin, comme quoi le jardin, voyez-vous, eh bien, je cite Voltaire, le plus noble des métiers. Oh, c'est bien dit, c'est bien dit. Mmh. Ah oui, il est très très bon. La butternut, c'est vrai que c'est quand même, surtout quand elle est bien à maturité, qu'elle a cette couleur. Elle n'est pas beige comme on la trouve sur les marchés, elle est un petit peu beigeasse alors qu'elle est finie orangée. Quoi. Donc là, tu la pèles du coup, c'est ça? Oui, pelée, le potimarron, les deux mélangés, revenus dans... Il y a de la sauge beurre, aussi huile, dedans. Et puis la sauge un petit peu torréfiée dans l'huile. Alors, je demande un petit instant de recueillement Et de silence pour le pâté croûte de Sébastien. Ah. Parce que ça, c'est vraiment c'est un morceau d'art, d'anthologie culinaire. Merci. Je trouve que le pâté en croûte combine à la fois la charcuterie et la boucherie pour la viande, pour la farce, et le pâtissier pour la pâte. Parce que dans pâté en croûte, il y a croûte. C'était avant fait par les pâtissiers, le pâté en croûte. Et oui, c'est vrai. C'est là où on se dit, quand on goûte et la soupe de Philippe et le pâté croûte de Sébastien, que les amateurs nous talonnent les professionnels quand même. Généralement, moi, ma pâte, elle est molle à l'intérieur. Vous faites du pâté en croûte? Oui, bien, j'essaie, tout au moins, oui. Parce que Sylvie est une excellente cuisinière. Sylvie a écrit un livre de cuisine sur ses souvenirs d'enfance avec son papa, qui était très gourmand. Mais c'est tellement facile, c'est une cuisine tellement facile. Oui, mais c'est la cuisine de la famille qu'on aime, et c'est celle que je pratique aussi. C'est absolument exquis tout ça. C'est
attention, chaud devant. C'est chaud devant. Les Saint-Jacques du pêcheur. On est tellement conditionné à cuisiner avec de la matière grasse que c'est presque transgressif. Oui. Jean-Charles, est-ce que tu nous parles un petit peu de ton vin ? Mais là, on est sur l'assemblage avec 5 cépages corses différents. Donc, c'est des vieux cépages qu'avait planté mon père. Et ben, j'ai eu la chance d'en hériter. C'est à notre tour, avec mon ami Jacques, de nous atteler au dressage du veau. Voilà, c'est magnifique, regarde. Impeccable. Impeccable. Super. Hop là. Ah, c'est parfait, rosé comme il faut. C'est très bien. Regarde. Tiens, donne-moi notre assiette. Alors que les légumes ont fini de confire ensemble pendant 50 minutes. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ça tient. Je vais venir à Porto-Paul pour ouvrir un restaurant avec toi. On va rester ensemble, allez. Sur la plage. Alors, très bien. La sauce. Le jus de veau au cep. Et voilà, si. Le veau avec les légumes de Julie. Les petits légumes de Julie, super. Un très beau, très belle assiette. Hein. La côte de Jacques et les légumes de la reine, excusez-moi du peu. Et alors qu'on a laissé brutes de pommes, hein, on les a quasiment pas pelées parce qu'on les a sortis de terre. Donc vous mangez ou pas la peau, en sachant évidemment qu'ils sont totalement bio. Mais c'est ça qui est magnifique, je trouve. Ouais. Ce sont des légumes qui, dans la terre, ne ressemblent à pas grand-chose. Quand ils sont arrachés, on les trouve beaux. Quand ils sont cuisinés, ils deviennent sublimes. Non, c'est magnifique. Vous avez le veau de la Noël qui a mangé beaucoup de glands, comme cela. Hein, on a tendance à sentir un peu plus le goût de noisette sur la viande. Après, vous avez d'autres périodes dans l'année où il va y avoir beaucoup de fourrage. Ça sent un peu le pain d'épices. Il y a une saisonnalité du goût. C'est très rare sur les viandes. C'est que comme ce sont des bêtes qui sont toujours dehors, c'est comme pour le fromage aussi. Hein, ouais. Il peut, en fonction des saisons, en fonction des pâturages, le fromage change de goût, mais c'est la même chose sur la viande. Et on va goûter le pain aussi, Jérôme. On l'a oui, pas oui, goûté allez. Ton pain encore. Du pain à la saveur détonnante que nous a rapporté Jérôme, notre boulanger friand de céréales biologiques et adepte des techniques anciennes. Oui. Voilà mon pain qui passe à table. Alors racontons un petit peu la jeunesse de ce pain. Alors c'est un pain qui est élaboré chez nous dans notre laboratoire à Saguenay. Donc on a un atelier de fabrication. Qui donc en Bourgogne, en Côte en d'Or. Bourgogne, en Côte d'Or, à la limite de la Haute-Marne. Notre atelier est destiné à transformer tous les produits issus de la ferme. Donc on utilise bien sûr toutes les farines qui sont cultivées à la ferme, donc le blé, le seigle, le petit épeautre, le grand épeautre, le sarrasin. Et en plus, on va aussi utiliser toutes les graines de jachère, donc le mélilot, le colza, la luzerne, le trèfle. Donc on utilise toutes ces graines-là pour une diversité de pains différentes. On a une grande confiance avec les gens avec qui on travaille. Mon producteur d'amandes, c'est quelqu'un que je connais. Mon producteur de sel, c'est quelqu'un que je connais. On arrive à avoir, comment ça s'appelle, une identité pour chaque produit, un caractère. Et ce caractère-là, en fin de compte, il nous sert, il est utile pour nous dans la transformation. Et on arrive à faire des produits qui sont assez différents de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Différents de ce qu'on trouve aujourd'hui, mais pas si différents de ce qu'on trouve autrefois. Parce qu'autrefois, le pain se conservait. Si on en parlait avec Sylvie. Voilà. Le pain, on l'a acheté pour la semaine. Voilà, alors nous, on a des clients qui viennent chercher le pain une fois par semaine. Voilà. C'est ça. Donc, et là, tu nous disais que tu l'avais fabriqué il y a trois jours, c'est ça. Et on donne l'impression d'être Donc, le pain parfait. Voilà. Eh bien, il nous faut le fromage parfait, les parties. Oh là là, comme voilà c'est joli. Notre fromage. De la tombe de brebis au lait cru. Oui. Donc, j'ai amené aujourd'hui de la tombe de printemps. Oui. Donc, celle qu'on a fait au printemps sur la ferme dans le Gers. Et puis, j'ai amené celle qu'on a fait en estive cet été en montagne au col d'Aubisque. Oh, voilà. Rien que de le dire, déjà, j'ai envie d'y aller. Voilà. Bon, allez. Alors, les assiettes nous proviennent d'un village provençal que vous connaissez tous par son nom, qui s'appelle Moustier. Moustier Sainte-Marie. Qui évidemment possède une tradition de faïence en particulier. Nous vous servons ces assiettes qui, figure-toi, avaient été créées en hommage à la première montgolfière qui a décollé à Versailles. Tout à fait, devant le château, effectivement, devant sur la château. Cour. Magnifique. Et voilà. Ah oui, mais j'aurais dû te laisser les assiettes. Philippe. Oui, voilà, pardon. Merci beaucoup. Printemps, été.
c'est ça? Oui. Aujourd'hui, les AOC, c'est pas forcément le... Nous, on a fait le choix de rester producteur fermier indépendant. Et il n'y a pas d'appellation qui pourrait, de toute façon, nous représenter. Et puis, on n'a pas vraiment la volonté d'y rentrer non plus. On tient à rester fermier indépendant et à gérer notre propre fabrication. On ne veut pas rentrer dans un cahier des charges standard et avoir... Qui vous contraindrait, finalement. Voilà. On veut créer notre propre produit avec notre propre typicité. Alors, je reviens au plat de Noël que vous avez en mémoire les uns les autres. C'était quoi la tradition de Noël chez vous, alors, le plat de référence? Il y a toujours les trois étapes, les huîtres de papa, le foie gras de mamie et la volaille de maman. Voilà, une trilogie qui ne trompe pas. Et Jérôme, toi alors, en Bourgogne, les plats de Noël? Alors moi, je ne suis pas originaire de Bourgogne, je suis originaire du Nord. Ah, c'est vrai? Ah bah c'est bien, on a deux régions en un. Super. Donc voilà, c'est plutôt les souvenirs du Nord. Nous, dans le Nord, on mange souvent à Noël l'oie. Ah, donc, l'oie, qui était un animal. Qu'on appelle en patois solaire. Du Nord les ozons. Un ozon. Donc, c'est la bête qui nous avait empêché de rentrer dans le poulailler de toute l'année. Quand on est gamin, on a peur des oies parce qu'ils nous poursuivent, ils nous pincent. Voilà, et là, on le mange à Noël, ça faisait du bien. Bon, moi, j'ai un petit souvenir amusant parce qu'on était 7 enfants, donc il y avait beaucoup de monde. Donc, c'était traditionnel, c'était la dinde et je ne sais plus quoi. Mais je sais que pour le lendemain matin, ma maman préparait un cake. Et je me rappelle, ça a duré pendant des années. Ma maman, le lendemain, désespérée parce que les fruits confits étaient toujours au fond. Oui, le fameux truc. Ah, et c'est drôle, un souvenir que j'ai. Nous avions les cadeaux, aller chez les grands-parents, voir si le Père Noël était passé aussi chez les grands-parents et la déception de ma mère qui ne comprenait pas. C'est vrai. Les fruits. Attends, je vais te confier un secret. Je n'en sais rien. Une fois qu'ils sont au fond, il n'y a rien à faire. Hein. Mais sinon, ce qui permet de parer à ça, c'est de mélanger les fruits avec la farine. Oh là là! Et la bûche qui n'est plus désormais dans la cheminée, qui est sur les tables. Avec la scie qui va bien, là. Alors, on est dans l'évocation de la vraie bûche de Noël, alors. Elle est enneigée. Elle est enneigée avec une guimauve qui recouvre cette bûche. Ici, dans le fond, il y a un biscuit un peu façon brownies. Ensuite, une ganache. Ensuite, un praliné qui est un peu mixé grossièrement, donc avec un peu croustillant. Et une mousse au chocolat. Ça ne devrait pas déplaire. Non. Hein, a priori. Merci. Le gâteau, il est divin. C'est très, très bon. C'est la bûche de notre enfance. En mieux, hein. C'est la bûche de... En fait, ce qui fait le côté croustillant, c'est des pralines, mais mixées grossièrement, en fait. Donc, ce qui fait qu'il reste des morceaux de caramel. Merci beaucoup. Alors, avec ça, on goûte une vendange tardive. C'est pas trop sucré, c'est pas trop alcoolisé, avec un peu des parfums pétales de rose, litchi, fruits de la passion... Et je trouve que ça va bien avec... Bon, les amis, ça va être le moment des cadeaux, quand même. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling. Alors, le plus jeune doit se lever. Non. Allez. Je vais... Oh là là, mais c'est des huîtres? Presque. Des huîtres en crème. Ouais, je vais prendre ça, quelques petits biscuits. Je crois que ça vient... C'est moi qui ai pris le paquet de cadeaux. Notre cher jardinier. Ça, j'aurais pu deviner que c'était toi. Mais qu'est-ce donc? Oh, comme ça. C'est un clin d'œil versaillais. Un clin d'œil versaillais. Alors, raconte-moi, c'est un pot, un cache-pot? Bah, c'est la reproduction du cache-pot que Marie-Antoinette avait fait installer. Oh, c'est gentil. Et entre les légumes de la reine, le cache-pot, tu sais que je vais m'y croire, là. Hein. Magnifique, merci. Alors ça, ce sont des produits de beauté. Oui, des produits de beauté à base de... D'extrait de nacre, d'extrait de nacre. Oh, mais comme c'est précieux, ça. Je t'ai fait une petite sélection. Tu vois, complément alimentaire et qui stresse. Équilibre, stress à toi. Tu me connais bien. Et ça, c'est les messages de tes enfants. Julie cuisine la France chez nous.
C'est trop mignon. Oh, c'est adorable. Et moi, je vous ai fait des petits biscuits, les carnets de Julie, comme ça, vous verrez. Vous faites passer? Ah ben oui, faites passer les biscuits. J'ai l'impression que Sylvie, vous aimez le léopard. Mais j'adore. Non, je me trompe pas. Vous savez pourquoi? Parce Dites-moi. Que quand on a un tablier comme ça en cuisine, on ne voit pas les taches. Ça, c'est pour les garçons. Cache. Nous avons les macarons de Pierre. Waouh! Comme on avait un petit creux. Magnifique. Oh là là, rien que de les voir déjà. C'est un spectacle, c'est un plaisir. Regardez la beauté de ces couleurs. Oh là là, ça c'est beau. Ça c'est la référence mondiale. Extraordinaire. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Sylvie, de son côté, a tenu à offrir à chacun un livre de son père, Jean Giono. C'est un livre qui se lit facilement, mais qui reste en tête pour la vie. Mon père, non. Merci beaucoup. De notre Noël. J'espère que vous aussi, vous allez passer un Noël chaleureux, savoureux, un Noël de partage, puisque c'est avant tout la fête du partage, la fête de l'enfance. Et puis, n'oubliez pas une chose importante pour l'environnement et puis pour l'avenir, plantez des arbres. Salut, bon Noël! Ah là, là. Yeah. Il y a des bruits comme ça. Allez. Ouais.